Et bonjour tout le monde, c'est Ravensmil et bienvenue sur Hearthstone pour une partie avec Cthulhu. Je ne garderai pas cet accent tout le long de la vidéo, ça va être trop chiant. Et surtout, je vais le perdre sans faire exprès. Oh quoique. C'est quoique ou quoique? Et quelque chose. Il est déjà perdu. Par contre, ça c'est horrible. Ça, des fois, l'accent espagnol, c'est simple à choper quand on vient du sud. Mais rouler les R non-stop, c'est ultra chiant. Parce que le R, c'est comme le. C'est. Comment vous dire? Merde. Putain, j'arrive même plus à trouver un mot en. Un mot en espagnol, c'est une catastrophe. Ouais, bah tout ça, ça dégage. Ça, c'est trop lent, trop lent, trop lent, trop lent. Voilà, trop lent. Allez, dégage. Hop. Allez, ouste. Oh, ça, il n'avait plus à te voir. Ouh, le vide gousset tourin. Ça me plaît, ça. Ça me plaît. Vide gousset tourin, ça peut être tellement rentable. C'est joué à risque. Oh, c'est la nouvelle map. Qui ne sert absolument à rien. Qui ne sert absolument à rien, puisqu'on peut rien détruire. Juste de la musique. Donc, hop. Hop là. Allez, je prends le risque, vraiment. Attendez, j'enlève la souris que vous l'entendiez pas trop. Non, ça fait rien du tout. Et le vide gousset, allez donne. Allez, on tente double vide gousset. On va se donner des pièces. Oh, ça va être violent. Si ça passe, j'ai tout gagné. Je le sens pas. Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas du tout. Je ne réponds rien. Et on va attaquer un vide gousset, bien sûr. Ouais, c'est obligé. Donc, tu vas me faire ça. Voilà, on se donne des pièces, le plus de pièces possible, et voilà. Trahi par mes serviteurs. Ça sert vraiment à rien cette main par contre. Sur les autres, tu peux faire des trucs, il y a des trucs à faire, mais celle-là, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien, ça sert à rien cette map. Même ça, même les joyaux, ils tombent pas. Putain, mais elle sert vraiment à rien. Cette map, c'est. Oui, il hésitait avec laquelle on mettre silence. Oui, bah, tu m'étonnes. Allez, donne. Ah, oui, bon. Bon, tiens, tu bouffes au passage. Tant qu'on y est. Tant qu'on y est, tu bouffes. Oui, c'était une erreur. Tu ne peux rien faire contre moi. Je suis ton avenir, ton futur et ton passé. Oui, ce que j'ai dit précédemment ne correspondait à rien du tout. Putain, mais je le mets en panique avec mon deck Cthulhu, moi. Je le mets en panique. Oui, j'ai rien pour enlever le silence, en fait, dans l'idée. Donc bon. 4-6 provocation. Donc, on va faire ça. Déjà, tu bouffes. Ensuite, on va faire cadeau. Et juste au cas où, cadeau. Juste au cas où. Tiens, vas-y, amuse-toi. Cadeau. C'est ton truc, il restera pas. Là, tu le sais. Tu sais qu'il restera pas. Et le truc à 8 que j'ai récupéré, il fait quoi? Appel de serviteur coûte en code cristaux ou moins. Ouh, ça me plaît ça. Ouh, ça me plaît. Bien, de monter de votre héros à un serviteur. Oh, ça peut être intéressant ça. Ça peut être très intéressant. Est-ce qu'il va piocher des cartes? Ah oui, pioche des cartes, d'accord.
Par contre, je comprends jamais la pioche Hearthstone, parce que là, sur l'animation, on voit que c'est pioché au milieu du deck. Pourquoi faire? Normalement, tu pioches les cartes au-dessus d'un deck, sur le principe. Ouais, tu sais qu'il restera pas, vaut mieux faire du dégât, hein. Sur le principe, je suis d'accord avec toi. Ouais, tu bouffes. Ouais, tu bouffes. Voilà. Voilà. Et voilà. Je crois qu'il n'a aucune chance. Je sais pas. De retour. Je suis de retour parmi vous. Pour mettre en panique mon adversaire. Panique, 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 panique. Ouais, mais t'as celle-là aussi. Non, mais y a ça. Y a ce truc-là aussi. Tu l'as peut-être oublié. Ouais, si tu veux. Vas-y, joue une carte. Joue une créature. Joue une créature, j'ai de quoi te la dégager. Allez. Ah, non? D'accord. Allez, c'est juste pour bien lui dire, tu ne sers à rien. Ton deck ne sert absolument à rien. Voilà. C'est ça, là c'est ton deck ne sert à rien. T'as aucune chance. Son deck est pas fait pour battre un deck Toon. Toon, en fait, c'est le même principe que dans Magic The Gathering, avec un accent de merde, c'est le même principe que l'infection, en fait. Le deck Toon peut être très vite handicapant et très rapidement, en fait. C'est ça qui est bien. C'est que j'adore ce genre de deck, en fait. Ces vices-là. Parce que Toon, là, s'il arrive dans 3 tours, enfin, il sera mort d'ici là. T'abandonner. Oui, je rajoute la phrase de Luna. Je vais peut-être prendre. J'avais mis le son aussi bas pour War Thunder. Je montais le son pour. Ouais, mais ça sert à rien de paniquer contre mon Ktoon. Il est pas prêt d'arriver. Il y en a un dans tout le deck. Bon. Tu fais quoi, Maurice? Je crois par contre qu'il y aura une recrudescence de War Thunder sur ma chaîne parce que j'avoue que je me plais avec les avions français. Là, j'ai fait quelques parties. Place les serviteurs. Bon, ben. Bien joué. Au revoir. Désolé, mais non. Désolé, mais non. Non, parce que je sais qu'il pouvait gagner. Donc, non. Voilà. Deuxième étoile. Ouais. Oh, cool, merci. Je crois que je peux ouvrir des trucs. Je peux ouvrir un truc. Donc voyons juste la quête là. La quête du vol d'hiver. Il y a combien? 4 boosters? Oh, c'est de la merde. Bon, remplace pas ça sert à rien ça. 2 victoires. Bon, c'est ce qu'il nous reste à faire. Boutique. Oui, je n'ai quasiment rien acheté sur la part 2 aventures. Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Putain, c'est pas mal ça. Le miracle du vol d'hiver. Ça, c'est un beau cadeau, ça. Tu m'étonnes. Rastakhan. Allez, go. Achète-moi ça. Hop. On s'en fout. Nous, on va pas ouvrir des packs opening, des trucs. On fait des boosters opening de un par un. Plus drôle. J'ai tellement de cartes. Après, que je m'en fous un peu. Le roi lèche. D'accord. Oh, ça m'intéresse, ça. Le roi lèche m'intéresse, par contre. Sincèrement, là, il m'intéresse. Ça, collection, on va changer ça ensemble. On va prendre où est-ce qu'il est mon deck surcharge. Putain, j'ai un bordel là-dedans. Il est où? Il est où? Surcharge, ah, il est là. Qu'est-ce que j'ai écrit? Nya, nya, bah, il est et surcharge, voilà, hop, surcharge. Bon, on va améliorer ça, voyons voir, invoque de ruée. Oh, c'est bien ça. Mais il y a plein de nouveaux trucs qui sont bien ça. Ça me plaît ça. Ça me plaît beaucoup. Oh mais il y a plein de trucs rigolos. Et là, est-ce qu'il y a des trucs surcharge après? Non, non, c'est que Shaman, bien sûr. Donc, je vais modifier mon deck surcharge et on refera une vidéo après pour tester le deck surcharge. Donc à bientôt les gens, c'était Revanse 1000. Ou alors je ferai un autre test de deck, je ne sais pas. Allez, à toutes. Enfin, à bientôt. Et abonnez-vous. Et pouce bleu. Et la cloche.